commencer par saluer toutes amies, toutes camarades, non? Toutes collègues, toutes compatriotes. Et je dis en bref, une vidéo ça pour un beau sujet que je vais traiter, c'est la philosophie de la corruption. Mais si j'ai choisi ce sujet ça parce que tout récemment, je fais une vidéo, dans la vidéo ça, côté que, à cause de l'incompréhension d'un paquet de monde, yo pas vraiment cerné, arrivé cerné dimension philosophique, question de corruption qui a rongé la société haïtienne et en particulier l'État haïtien dans sa mode de gouvernance. Et m'a profité d'inviter nous, bien entendu, pour nos chères vidéos, parce que je vais essayer de faire ce qu'on appelle, pas une généalogie de la corruption, mais d'autant plus essayer de mettre en évidence la problématique de la corruption dans sa dimension philosophique. Maintenant, nous connaissons déjà, à partir du moment que on va essayer de soulever la problématique de corruption dans la société haïtienne et surtout au niveau de l'État, au timon des affaires de l'État, de nos gouvernements, nous connaissons que libéral bail problème parce que li beaucoup plus intéressant pour un monde à parler de jouer ou bien prendre des positions politiques par rapport avec bipolarisation qui gagne en Haïti dans la sphère politique haïtienne que soulever problématique corruption en tant que telle dans cette dimension philosophique. Tout d'abord, on m'a essayé de faire une mise au point pour nous avant même que m'entrer dans le vif du sujet. Le mot corruption lui-même, c'est un mot qui est raciné, étymologiquement parlant, il est raciné du latin qui signifie corrupere. Corrupere qui racine grecque ça, il veut dire son bagage qui dévie de l'essence de ça pour l'état supposé accomplir. Maintenant, ça qui importe en question corruption, ça, parce que je connais que les Haïtiens, collègues Mayo, ils ont beaucoup plus remé ça, les scandales, son bagage, ils prennent plaisir là-dedans, ils remet les gazins. Alors, c'est un bagage que Haïtien même se nourrit, parce que Haïtien nourrit de ça, les zins, quel que soit côté lié à, sur les réseaux sociaux, les zins. Dans la réalité haïtienne, et d'autant plus que question corruption en Haïti, elle n'est pas seulement une question, une problématique philosophique, mais aussi une question de scandale. Scandale dans le sens de philosophique où que Haïtien, je dis, c'est comme s'il est tombé sur une découverte de un bagage que le Badjam connaît comme réalité. Cette réalité frappante, cette réalité imposante à l'imaginaire haïtien, à la pensée même de Haïtien, côté que Haïtien pas qu'à venir comprendre, vraiment entendu, bien entendu, ça qu'a passé là par rapport avec question corruption. Alors, réalité corruption en Haïti, comme dit nous, sont réalité qui est extrêmement intimidante. Intimidante dans le sens que ou regarder réalité, ou pas qu'à croire que journée jeudi, que yon groupe nèg te ka met ensemble yo krasé 4.6 milliards de dollars. Gen moun, alors par rapport avec cette réalité aussi frappante, aussi intimidante, aussi imposante que corruption ça a, gen différentes attitudes que yo capable adopter par rapport avec cette réalité aussi frappante que affaire ça a, que yo li affaire Petro-Caribe à côté que gon groupe nèg qui krasé yon masse l'argent. La preuve en est que des individus même auraient souhaité que dossier Petro-Caribéa disparaisse dans le discours officiel ou bien dans le débat haïtien. La preuve, la raison pour laquelle c'est que je vous dis, ils ont estimé que question corruption atteint un niveau tel que je vous dis, c'est une perte de temps pour nous parler de corruption, de affaire Petro-Caribé, chaque jour à nos oreilles. Et c'est ça pour l'expliquer, bien entendu. À chaque fois qu'un individu quelconque t'a levé pour le prendre
yon position contre et dénoncer question dilapidation l'argent Petro-Caribéa, il est avéré que ou pour jeune des individus, des moun au niveau bien entendu de des réseaux sociaux ou bien dans la communauté haïtienne qui pourrait le prendre le contre-pied, qui pourrait camper face avec moun ça parce que yo estimé que l'individu ça en soi dans une certaine mesure, lui constituait lui-même un véritable obstacle avec conception que yo gagne de corruption en tant que tel. Pour qui raison, m'a essayé abonder dans ce sens ça. M'a pas abondé pour me faire une présentation générale, bien entendu, de concept corruption. Il est avéré que m'a parlé dans dynamique pour m'expliquer les mécanismes qui favorisaient corruption hein, au timon des affaires de l'État, dans la mauvaise, dans la façon que l'État ici n'a géré fonds publics. Mais m'a plutôt entré dans la dynamique de la conception que nous fait que nous fait de ça relever corruption en Haïti et comment les attitudes de chaque Haïtien par rapport avec ce phénomène et criant gagné par rapport avec situation ça. Tout d'abord, m'a dit nous que corruption en Haïti sont réalité. Son réalité que nous pas qu'à échapper de lui parce que lui pas seulement inhérent avec l'ensemble de procédures et de procès et de irrégularités que nous rencontrons dans façon de gérer l'argent dans le pays d'Haïti, mais c'est aussi lui fait partie d'une certaine vision de l'homme, d'une certaine conception de l'homme en tant que tel et qui permettent nous vin soulever la problématique de la dictature de la réalité. La dictature de la réalité, c'est-à-dire dans le sens où le réel en tant que tel imposé à nous-mêmes une situation aussi frappante que nous obliger soit nier le réel en tant que tel, c'est-à-dire nous entrer dans nos postures de déniement, c'est-à-dire de négation, c'est-à-dire moins choisi pour nier réel en tant que tel, ce qui va le conduire que va l'adopter un comportement ou bien une attitude qui va à l'encontre bien sûr des normes, des valeurs et des principes qui régissent moins, qui conduit moins en tant que tel, ou bien que on choisit bien entendu approcher réel là, cette réalité, même les dures, les frappantes, les intimidantes, les imposantes à moi-même, les contraignantes avec moi-même, même choisi accepter li, moi obéir à elle de façon telle à ce que li entre en conformité avec mes valeurs, mes principes, ça que m'appuyer sur li pour guider comportement et attitude moi. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est que dans la réalité haïtienne au quotidien, l'enfer que haïtien vivent là dans chaque jour tellement dur, il est tellement pas bon pour haïtien. Hein? Haïtien tellement pas qu'à supporter, il vient arriver non point que il faut que sorti dans réalité ça. Mais puisque le pas qu'à échapper à réalité ça sans que il pas fait un coup de guidon à gauche, il obligé normalement soit il fuit réalité hein? Li a cherché approprié yon sorte de réponse, li fait réponse nan tourner par et à partir de là pour le jeune une sorte de refuge, une sorte de apaisement dans lui-même qui pour favoriser sa relé yon sorte de épanouissement émotionnel et sentimental et même capable dit intellectuel dans lui-même. Ceci est tellement vrai que les monsieur yo a crasé 4.6 milliards de dollars dans le pays d'Haïti à travers des détournements de fonds, à travers des irrégularités qu'a fait, n'y a pas jamais mette dans yo même que y a fond du tort avec le pays d'Haïti. Et c'est là l'enjeu philosophique, c'est que n'y a pas même pensé que en gros, ils sont en train de détruire, de faire du tort à une génération tout entière. N'y a pas pensé ça, parce que si à un moment donné n'y a pas pensé que y a pas fait du tort à toute une nation, à tout un pays, au moins, n'ayez pas prendre des mesures appropriées pour éviter les dégâts. Mais ce n'est pas du tout le cas. Et je vais appuyer pour montrer que ce n'est pas le cas.
C'est parce que nous sommes conscients, à un certain niveau, que nous n'avons pas fait du tort à la nation haïtienne si nous crasé, nous masse l'argent. Maintenant, le problème qui se pose, nous avons pensé aussi, suivant la philosophie même de la corruption, que même là, nous avons fait déviance, nous avons détourné, nous masse l'argent, tant que 4,6 milliards de dollars, puisque nous n'avons pas en Haïti une culture de probité, une culture très rectiligne pour nous, ça autarelé, pour nous condamner les mauvais comportements. Et la justice haïtienne, son institution qui fonctionnait sous forme de brancal, ils ont estimé que même là où tu as gaspillé un masse l'argent comme ça, ça va faire non seulement du tort, et les conséquences que ça t'a gagné sur eux-mêmes, les papes affectés eux-mêmes en gros. C'est-à-dire que nèg yo comprendre que dans philosophie pa yo, yo comprendre que si yo crase 6.4.6 milliards de dollars, they can get away with it. C'est-à-dire yo ka sauver avec sans que rien pas arriver. C'est ce sentiment d'impunité qui s'installe dans le pays, dans la société haïtienne et qu'a congèle. C'est pas du tout la corruption en tant que telle qui est le problème. Parce que tout pays en soi a des corruptions là-dedans. Mais c'est plutôt le sentiment d'impunité, c'est-à-dire cette habilité qui crée la caille, une sorte de conviction que nous avons gagné, que si vous crasez en masse l'argent pour le peuple haïtien, vous n'avez pas gagné en merde. Et c'est ça l'enjeu. Et c'est ce côté insultant de la réalité haïtienne qui pose un pile problème pour un ensemble d'individus qui viennent paraître de façon révoltante. Maintenant, on doit poser cette question. Pour qui raison pile moun chouta d'une aujourd'hui à parler de cette problématique, à pédé en met des oreilles moun avec réalité ça, oh chaque jour il y a parlé de. Mais c'est là l'enjeu. C'est parce que moun yo connaît les haïtiens en tant que tel, l'élite haïtienne connaît tout ça yo fait peuple haïtien toujours accepter, c'est-à-dire l'attitude résiliente du peuple haïtien, n'est qu'on exploite au point que même là, on a fait un bagaille en dedans pays, on a crasé pays d'Haïti, pas de monde qui a pris responsable pour ça. Et c'est ça expliquer en vérité les raisons pour lesquelles que jour et jour dit, hein, pays d'Haïti trouve la situation ça, parce que pas gagné responsabilité. Responsabilité dans le sens que, quel que soit ça m'a fondé dans la société haïtienne, non? M'a get away with it. M'a crasé 4,6 milliards de dollars et m'a créé les conditions nécessaires à ce que la justice et lumière par jambes faites sous lit. C'est-à-dire que, n'est-ce pas arrivé dans une situation que yon confortable, une situation de confortabilité, non ça y aurait les corruptions. Maintenant, l'enjeu auquel que monsieur est confronté, c'est qu'il y a, c'est ça pour l'expliquer, le scandale philosophique de la réalité associée avec cette problématique de la corruption. C'est que dans cette réalité aussi contraignante qu'est la corruption, il y a une petite minorité ou bien un groupe dans la société haïtienne qui estime que, journée et jour, il n'y a pas qu'à quitter Bagalabassé comme ça. Et c'est là tout problème n'a posé. Il y a un groupe monde, un groupe individu, un groupe de jeunes, un groupe jeunes femmes, jeunes garçons, un groupe monde qui dit mais écoutez, si n'a continué dans cette direction, côté que tout monde qui a pensé au arrivé au timon des affaires de l'État, pour y écraser 4,6 milliards de dollars, sans que y a pas pensé qu'à un moment donné dans l'histoire du pays que yo capable payer les conséquences de yon acte comme ça, mais yo estimé bien entendu que si yo pas levé pied yo pour yo mander reddition des comptes par rapport avec l'État haïtien, eh bien journée jodi an, Haïti en tant que tel exposé à un plus grand problème. Et qui problème lié, c'est pas un problème de corruption, mais c'est un problème de latitude face à la corruption. Maintenant, la corruption en tant que telle, c'est une réalité, mais c'est l'attitude qu'il faut adopter face avec une corruption qui a miné, qui a rongé la société haïtienne. Et dans la situation, ça a eu deux attitudes qui développent, que vous êtes capable de constater en dedans la société haïtienne.
ou gagnon à ton première attitude qui consiste à dire que en pile moun jeune attitude ça ou ka jeune la ka en paquet moun ou bon première attitude qui consiste à dire que bon écoutez c'était habitude ça t'est habitué fait déjà c'est pas vraiment un grand problème 4.6 milliards de dollars c'est pas un gros problème lié me pensais que journée jodi hein et nous pas jamais joindre justice pour l'agence ça nous pas jamais joindre l'agence a déjà perdu l'agence a de la couler ça c'est l'attitude la plus facile qu'on capable de joindre parce que son attitude qui mettait moun dans situation de refus c'est-à-dire moun non il choisit refuser il choisit nier réalité il pas voulait accepter garder réalité il préférait nier il préférait fermer les yeux sous lui il préférait dit que bon on ferme les yeux on passe sous ça on parler on aller plus loin que ça ça va intéresser nous maintenant on l'autre attitude que me trouver qui beaucoup plus responsable et attitude ça journée aujourd'hui c'est lui qui bail problème dans les réseaux sociaux attitude ça journée aujourd'hui c'est lui qui causait tout problème nous qui gagnait la journée aujourd'hui c'est cette attitude responsable de on franche dans société haïtienne non qui dit mais non nous pas cap minimiser dossier corruption. Il faut que nous prenions ces corruptions, hein, nous attaquions et nous traînions, arriver à traîner les responsables devant la justice pour faire reddition des comptes. Non, et non seulement ça, pour tracer, pour voir un message par les futurs dirigeants pays, hein, pour ne pas comprendre que vous avez venu dans la tête de l'État, pour gaspiller l'argent de l'État et puis vous avez get away with it, vous avez aller avec sans que pas aucun souci de punition, de conséquence. Parce que pays ça moun ki la donne 90% moun ki la donne c'est moun sorte c'est illettré ce sont des parias des moun ki pa konn sa yo vle an dans société haïtienne et bien parmi nos deux catégories d'attitude d'individu sa yo ou gen un groupe nèg dans deuxième catégorie hein nèg yo choisi bien sûr exprimer frustration yo choisi exprimer et déshydrata yo par rapport avec question Petro-Caribéa. Yo choisi adopter comportement ça pour yo entrer dans démarche de dénonciation. Dénonciation parce que ils ne sont pas au timon des affaires de l'État, ils ne sont pas bien sûr les dirigeants concernés, les autorités concernées. Maintenant yo entré dans dynamique, yo organisé tête autour de une structure pour yo capable faire pression bien entendu sur les autorités de l'État à savoir le régime en place pour que le régime en place puisse se saisir du dossier Petro-Caribé pour yon capable entrer dans dynamique côté que tout le monde qui implique dans le dossier ça yon tenu yon responsable par devant la justice et puis yon répondre pour ça que yon commette à par rapport avec dossier Petro-Caribé. Maintenant, pour vous savez, situation ça n'est pas aussi évident. La raison pour laquelle que la situation n'est pas aussi évidente pour deuxième catégorie individu ça c'est parce que yon pas le rencontrer avec un obstacle majeur, yon pas le rencontrer deux obstacles majeurs. Le premier obstacle que vous allez rencontrer, c'est la résistance du pouvoir, c'est la résistance du régime en place pour être capable d'aller dans le sens, bien entendu, pour combattre la corruption, pour utiliser le dossier de Petro-Caribé, pour tracer un exemple. La preuve, c'est que journée jeudi, hein, Jovenel Moïse parle sous troisième et Anel, il estime journée jeudi, hein, pas un dossier Petro-Caribé. Là, ceci est tellement vrai que. Non seulement yo pas main un dossier a pas gen moun k'ap persécuter yo pas traîner moun que non yo impliqué dans dossier Petro-Caribé c'est que l'on garde en termes de mal et pire moun qui a revendiqué pour dossier Petro-Caribé a gen lumière fait pour dossier Petro-Caribé moun sa yo plus envie détruire moun sa yo que moun qui crase l'argent alors c'est une situation extrêmement grave oui parce que parce que ça explique grave et situation ça comment le fait grave c'est parce que moun qui t'a supposé dans prison pour être l'argent 4.6 milliards de dollars qui gaspillé qui dilapidé en dedans pays d'Haïti c'est pas moun ça qui que la justice a poursuivre et c'est tout problème dans la toute problématique là moun que la justice target moun que la justice ciblé. Ce sont les individus qui ont revendiqué, qui ont réclamé la reddition des comptes. C'est-à-dire, vous venez trouver une situation, côté que, les gens qui sont victimes, c'est les qui ont payé pour casser,
pour les gens qui cassent la caisse de l'État. Les gens qui cassent la caisse de l'État dans notre société actuelle, c'est lui-même que, jour et jour, ils ont glorifié. C'est moun ça que la société a récompensé. C'est moun ça que la justice blanchit. C'est moun ça que la justice baille plus valeur dans la société. Il y a moun yore les moun sa yo gros oiseaux. Il y a moun qui considère moun sa yo des intouchables. Il y a moun qui considère que moun sa yo ce sont des individus qui sont au-dessus de la loi. Il y a moun qui considère moun sa yo c'est moun dans la société haïtienne. Puis ga nous man yo, puis ga nous touche yo. Mais selon que. Ou imaginons l'enjeu philosophique qui est attaché à la situation ça. Ou imaginons comment que des individus, jour et jour, fin gaspiller ont l'argent, et puis qui est-ce que l'État et la justice haïtienne estiment que vous devez menacer et persécuter, ce sont ceux et celles qui estimer jour et jour faut yo faire jouer justice pour l'argent Petro-Caribéen et c'est tout le problème. Maintenant, il y a une troisième catégorie d'individus qui se trouvent bien sûr dans la mêlée et individus ça yo ce sont les ni pour ni contre. Ni pour ni contre. Alors, ils se considèrent bien entendu comme individus qui neutres. Et ces individus ça yo qui le plus souvent sont les plus dangereux. Pour quelle raison ils sont plus dangereux? Parce que ce sont des individus qui estiment que bah, ça n'a pas intéressé. Mais en même temps, ce sont des individus qui le plus souvent exposés avec des questions de santé, avec des questions d'éducation, des problèmes de santé, des problèmes d'éducation, des problèmes de chômage, pas de travail, pas de rien. Mais Mounsayo, même le plus souvent, Mounsayo estimait que yo même problème Petro-Caribéa, problème 4,6 milliards de dollars, là, ça n'a pas concerné. Alors, ils sont confortables dans la misère, ils sont confortables dans la saleté, ils sont confortables dans la malpropreté, ils arrivent à un point que ils estiment que ils n'ont pas gagné pour y revendiquer. C'est-à-dire que la bataille qu'ils ont menée pour une reddition comme l'argent Petro-Caribéen, ça n'a pas concerné. Et la raison pour laquelle que ça pas concerné yo, c'est parce que yo estimé que jounen jodi a, jan y a vivande dans pays a, jan l'état ici a traité yo, quand kou chien ki pa yo pa ka manger, yo pa ka boire, yo estimé que c'est normal. Ce sont des conditions de vie qui normal à yo même en tant que tel. Et m pa courir condamner certains nan yo. Pour qui raison m pa courir condamner certains nan yo? Parce que là moun nan pas exposé à d'autres modes de vie, d'autres modes de conditions de vie. Les gens les lever c'est seule façon sale qu'on est habitué avec. C'est seule façon et manger terre, c'est seule façon pas joindre l'hôpital, s'il y a vinn tuer, c'est-à-dire il vinn fait partie inhérente de mode de vie, de conditions de vie. Il vinn accepter comme réalité, il vinn accepter comme mode de vie, il vinn considérer c'est seule façon sale gagner, il pas qu'à réfléchir, il pas qu'à penser en dehors de ça que l'état conditionnel pour le fonctionner. Maintenant, des fois, là où même ou vini dit moun ça, non, mon cher, j'en a vivre là, c'est pas qu'on sort doit vivre, ou pas doit vivre dans condition ça, ou pas doit vivre tant qu'ou bête, ou pas doit vivre tant qu'ou chien, ou pas doit vivre tant qu'ou moun qui, animaux, tout est du monde. Alors, je dois vous rassurer que moun ça yo, ce sont les premiers, bien entendu, qui prend lapido. C'est moun sa yo qui premier prend le wash pour lapido. Parce que moun sa yo, c'est bon, nous connaît bien pour moun qui fait philosophie l'allégorie de la caverne de Platon. Qui s'est passé? Lorsque moun qui sorti en dedans cadre ça, condition l'état mette moun yo pour yo vivre là. Qu'on y a ou elle vive dans l'autre réalité, ou est comment moun vive, ou est comment l'État dans l'autre pays traite moun, ou est comment l'État Saint-Domingue la prend soin dominicain, ou est comment l'État chilien a prend soin chilien, ou est comment l'État cubain a traité cubain pareil, ou est comment l'État américain a traité américain pareil. Maintenant, puisqu'on est sorti de cette réalité, de cet enfer que dans enfer ça Haïti, l'État haïtien mettait haïtien, hein? Qu'on y a l'entourné pour elle dit, haïtien qui n'en réalité, qui n'en caverne, qui pas de jambes sauti pour elle, ouais, on l'autre réalité, vraie réalité,
Haïtien qui vivent dans faux semblant en Haïti. Hein? L'autre tourne pour venir dire Haïtien ça. Mais non, écoutez. Aux conditions à vivre là, on pas supposé vivre là-dedans comme ça. Conditions, gens à fonctionner, on pas supposé fonctionner là-dedans comme ça. Haïtien ça, puisqu'on vient essayer ouvrir gel sous dossier, condition réalité qu'il t'a nié chaque jour, que t'es entraîné en mode de denial chaque jour, que t'a considéré comme un bagage qui normal là, ou vient ouvrir gel pour montrer que je la vivre dans son bagage qui anormal. Eh bien, mes chers amis, je dois vous rassurer, où son nez qui supposé mourir lapidé. Pour qui raison? Parce que, j'ai un proverbe haïtien, dit qu'on dit que ton haïtien qui dit, le on nez galache ton mango, puis acheter deux mangos. Li rive la kaili, pendant qu'on acheter deux mangos, lumière allumée. Les lumières allumées, deux mangos on emmène, li calé un premier mango. Le jeune mango a gen vè, premier mango a gen vè. Le calé deuxième mango a, le jeune deuxième mango a gen vè. Monsieur pa gen choix. Kon ya ou lye monsieur accepte que mango yo gen vè, li pa doit manger yo. Monsieur estime que c'est lumière te li men, hein, ki problème nan. C'est pas mango a de problème nan pour monsieur. Et pas vè at nan mango a ki problème nan pour monsieur. Mais qui te clairement goûte montrer que mango a gen vert, c'est lui qui problème non. Et bien l'attitude de l'haïtien en général, l'attitude de l'haïtien, de la plupart d'haïtiens en général, yo préféré éteindre lumière, yo préféré éteindre lumière pour manger mango a tout vert. C'est à dire que yo préféré éteindre lumière qui montre que mango a gen vert puis go manger là. Yo éteint lumière et yo toujours continuer à manger mangoa qui gen vè. Et ceci depuis plus de 200 ans d'indépendance, c'est comme ça haïtien vive. Haïtien tué toute bagaille qui vini qui pour montrer nos chemin. Tout prophète que pays a gagné la donne haïtien détruit. Premier nèg haïtien détruit qui te montré haïtien que ka vive tant kou moun. Haïtien tué sans garder derrière c'est l'empereur de Saline. Haïtien préféré détruit, tuer, assassiner de Saline pour lui faire plaisir à la communauté internationale de l'époque là pour lui être accepté. Yo préféré tuer haïtien. Yo préféré tuer Jean-Jacques de Saline qui s'est représenté véritablement qui était incarné l'Union nationale et l'autorité de l'État. Maintenant ceci est tellement vrai. Ah, l'arrivée dans cette situation, ça, haïtien préférait être dans condition de saleté, de malpropreté, de cochonnerie que la vivre. Il préférait accepter. Parce que la donne, c'est l'île qu'on est. C'est bourré la bourre. C'est la donne que l'État haïtien habitué. Il préférait. Et ceci est tellement vrai. On va le montrer nous. On va l'avancer en l'autre façon. Quoi pour montrer nous? Les Haïtiens, leur venu en Haïti, n'a pas regardé le comportement, monsieur. Le jeune homme, par exemple, Mathias, qui a revendiqué pour droit monde, pour considérer, qui a demandé l'État pour traiter. Haïtiens, on lui a accepté que bataille, monsieur, a mené, on ne doit pas aimer le type, on ne doit pas tolérer le gars, on ne doit pas aimer forme figuille. Mais la revendication en tant que telle, la revendication en tant que telle, son revendication qui est bon pour tout chaque grain haïtien. Mais haïtien tellement arrivé dans nos dimensions, côté que lui accepte la réalité à l'entrée dans démarche, dans logique de résignation. Une logique, pas même qu'à dire résignation, parce que résignation, c'est que au moins, lui conscient de la réalité. Il n'est pas entré là-dedans vraiment. Mais plutôt entré dans la dynamique. Lui plutôt entré dans la démarche qui consiste à diaboliser, craser moun ki pote lumière à Balian, tuer moun ki pote lumière à Balian, et puis s'entendre à la tour pour rester vivre dans la malpropreté que la vivre là. Et ceci, c'est avec beaucoup de peine, journée jodi an. Lors on arrive ou à parler de l'argent Petro-Caribé, moun nan dou kon sa, I don't give a damn. Et si on a bagay ki plus touche m, là, je regarde des individus
des individus, des Haïtiens, qui normalement pensaient que journée aujourd'hui a gagné justice qu'a faite en Haïti sous l'agent Petro-Caribien. Je connais des Haïtiens qui pensaient qu'avec le régime en place, ils pensaient que Jovenel Moïse, dans les jours à venir, pourrait prendre des décrets pour être capable d'initier, bien entendu, le processus qui a un rapport avec l'édition des comptes par rapport avec l'agent Petro-Caribéa. C'est une aberration. Son bagage qui est tête en bas. Comment on peut penser que je vous dis que Jovenel Moïse pourrait mettre l'action publique en marche, en action contre les Mounio, non cité dans l'agent Petro-Caribéa. Mais c'est une justice qui fonctionne à deux niveaux. Ou une justice pour Ti Malérez, ou une justice pour Gros Otombré, Gros Zouzoun. Et ceci, ça fait partie de la réalité haïtienne. La justice haïtienne a toujours été une justice déséquilibrée. Une justice qui fonctionnait. Une justice pour Malérez, une justice pour moun ki gen anmen yo. Yon moun justice pour moun ki fait grandes études, yon justice pour moun ki fait pour ki gen zanmi nan gouvernement, yon justice ki fait pour moun ki gen moyen avec yon justice ki fait pour Malérez. Et la preuve en est, jounen jodi an, yon ka met mandat, yon ka arrêté tel et tel, yon ka met mandat derrière tel et tel, pendant ce temps, yon estime que n'a protégé nèg ki ba nou pouvoir. Mais imaginez un instant. C'est celle-ci. Alors, je ne parle pas non dynamique de. Non dynamique côté que notion de justice n'a bon sens encore dans un pays. C'est celle-ci. Jovenel Moïse ta fou. Jovenel Moïse ta enragé. Jovenel Moïse ta tombé sous tête. Pour ta vie n'a entamé l'action justice contre nèg yo cité dans l'agent Petro-Caribéen. Alors que nous connaissons pertinemment, c'est M. Sao qui mettait le au timon des affaires de l'État. Faut M. Tafou, dernier classe. Il est vrai que après M. traité, toucher les dossiers d'un coup sous Génère, l'a touché les dossiers d'un coup l'ONA, mais l'a touché les dossiers d'un coup équipement boulos, mais M. Pape, jamais touché les dossiers Petro-Caribéa. M. Pape aussi mettait velléité. Dans le dossier Petro-Caribéa, Jean elle mettait une force énergique pour le combattre, pour mobiliser l'action publique contre Sogener, contre l'ONA. Il n'a pas fait pour l'agent Petro-Caribéa. Et la raison pour laquelle il n'a pas fait, c'est parce que monsieur connaît bien, il faut protéger les siens. Il faut, monsieur connaît, il faut le protéger, Negio. Et le problème qui se pose actuellement là, c'est un bon problème de opposition. Parce que le problème dans une dimension philosophique là-dedans, c'est pas un problème pour opposition ni politique qu'a fait niveau et Jovenel Allais. Et pas ça le problème. C'est un problème qui a rapport avec justice en dénon pays. Comment moun ka lever un bon matin ou organiser tête ou comment moi-même, je veux dire, m'ka mette tête moi ensemble en groupe individu, en groupe nèg pareil moi et puis moi gon projet pour m'entrer dans l'état, pour m'al prendre pouvoir dans l'état d'Haïti. Pour m'craser caisse d'état, pour m'corrompre, tête moi, pour m'prendre masse l'argent pour m'voler l'état et puis pour m'croire que pour m'rete croire que m'ka lever m'parti et puis m'bien jouer l'argent sans que rien pas arrivé. C'est problème ça te poser là. Son problème d'impunité de poser. Et son problème grave qui posait. C'est-à-dire que, journée aujourd'hui, qui doit décider. Y a les non-élections, y arrive au timon des affaires de l'État, y met l'argent de l'État, y crase caisse l'argent de l'État, et puis sortant de y'a là tout, y a grand pays, dans banque dans grand pays, et puis au fin craser pays l'argent l'état et puis au garder peuple en danger parce que pas gen moun qui pral mande yo compte, pas gen moun qui pral rendre yo responsable, pas gen moun qui pral di yo non mon cher t'écraser tel l'argent faut payer, faut ceci, faut cela. Et bien c'est ce sentiment d'injustice et d'impunité qui gen dedans pays d'Haïti qui fait journée aujourd'hui hein. En pile moun pensait que l'inormal
C'est quelques petits groupes moun qui trouvaient que li anormal pour construire un pays, pour construire une société, pour qu'on l'argent qui alloué à l'État haïtien, pour aider au peuple sortir nos situations de sous-développement, pour prendre, pour craser, et puis pour accepter, journée et jour, que li normal. C'est raison qui fait moi trouver ça son bagaille, un comportement qui est insultant de la part de quelques haïtiens qui trouvaient l'inormal. Si on bagaille me prend temps pour m'a réfléchir sur lui, est-ce que son pathologie sociale liée, est-ce que son pathologie, son forme de maladie sociale qui gagne en dedans société haïtienne? Est-ce que en dedans société haïtienne en tant que telle, l'inormal nous accepter que l'inormal pour un monde vie on groupe nèg vini écraser l'argent des dans pays et puis l'inormal pour nèg rester dans figi monde sans que aucune justice pas faite, sans que yon pas vienne devant tribunal, yon pas aller dans prison. Est-ce que l'inormal? C'est que gros problème majeur qui posait, c'est que nous pas valoriser l'argent. L'argent en Haïti n'est pas une valeur. Pour quelle raison l'argent en Haïti n'est pas une valeur? Surtout l'argent de l'État. La preuve, on est qui te dit que qui vole l'État, vole personne. Et nous, on crée ça dans le subconscient collectif haïtien. Nous considérons comme une norme qui vole l'État, vole personne. Parce que l'État lui-même, le vole, le détourne l'argent de l'État, le détourne les fonds publics, le fait corruption en dedans l'État, c'est route ou dit ou pas fait. C'est l'hôpital ou dit ou pas construit. C'est l'école ou dit ou pas construit. En d'autres termes, l'autre dit ou pas produit ou pas construit minimum de services pour population. C'est tout dit comme ça que raille population. Son forme de haine que vous exprimez pour la population haïtienne, que vous estimez que ce sont des bêtes, des animaux qui pas gen droit pour yo gen l'école, qui pas gen droit pour yo gen l'hôpital, qui pas gen droit pour gen accès à la santé, qui pas gen droit mais yo doit rester tant que cochon pour yo vivre tant que bête. C'est ça te fait ou penser que ou ka entrer dans tête l'État pour craser 4.6 milliards de dollars et pour connait you can get away ou ka sauver à l'agence ça ou sans que la justice haïtienne pas mettre en prison, pas rend nous responsable pour ça. Eh bien, c'est cette philosophie de la corruption, cette vision haïtienne, cette conception haïtienne de la corruption qui vient expliquer journée aujourd'hui que est-ce que journée aujourd'hui nous-mêmes, jeune garçon, jeune femme qui a demandé récidition pour l'argent Petro-Caribe, ça, est-ce que nous pas plus menacés, nous pas plus représentés en menace pour groupe haïtien, majorité haïtien, ça y est? Que nous-mêmes, que moun qui crase l'argent. Est-ce que vous-même, jeune garçon, qui prend la rue qui a revendiqué, est-ce qu'on pas plus constituer une menace pour majorité haïtienne en dedans pays ça, que nèg qui crase l'argent en dedans pays d'Haïti? Et ça m'a dit à la gen moun qui doit trouver le bizarre, cette philosophie de la corruption en Haïti, gen moun qui doit trouver le bizarre. L'on nèg campé avec tout courage li pour la dénoncer le comportement de l'État, pour la marcher dans la rue d'Otouni, pour la exposer ville juste parce que li estimé journée jodi que l'agent ça pas supposé craser comme ça, des un monde qui t'a supposé rendre ni compte de ça, et puis pour monsieur ça journée jodi a fait l'objet de toute mauvaise, de mauvais traitement, pour ces messieurs considérés comme animal, pour ces messieurs considérés comme bête noire, pour ces messieurs, je veux dire, tout haïtien a lapidé sur les réseaux sociaux. Monsieur, moi, je dis nous que le peuple haïtien, je veux dire, son peuple qui est dangereux. Non, la conception même est dangereux. Pour un jeune garçon, avant ramasser courage, lui. Pour le prendre la rue, pour le camper face avec yon l'État
qui a protégé un groupe nègre qui crase au masse l'argent. Et puis, chounen aujourd'hui, où vous avez des individus, d'autres haïtiens, qui campaient sur les réseaux sociaux, qui campaient dans la radio des journalistes, qui campaient en dedans une société que nous disons construit, une société qui dit démocratique, pour nous camper, chounen aujourd'hui, pour nous demander. Détruit jeune garçon ça. N'a demandé pour écraser jeune garçon ça. N'a demandé pour éliminer jeune garçon ça. Alors que c'est pas lui-même qui écraser 4.2 milliards de dollars, 0.6 milliards de dollars. Alors que lui pas involve dans lapider peuple haïtien, dans dilapider l'argent l'État. Ça me dit si mieux comprendre dans logique ça, dans philosophie ça qui développé autour de corruption dans pays d'Haïti. Je viens de remarquer deux bagailles. Première remarque que je fais, je viens de remarquer que je ne dis pas que Duvalier a eu raison pour retourner dans le pays d'Haïti encore. J'en ai après tourné. Pour quelle raison? Parce que le peuple haïtien lui remet malpropriété. Et deuxième raison que je viens de remarquer, c'est que je ne dis pas que c'est important pour des hommes tant que Wilson Lalo. Que nous aussi t'es dans l'agent Petro-Caribéa qui crase l'agent Petro-Caribéa, c'est normal pour nèg sa ou senti que yo intouchable en dedans société haïtienne là. C'est-à-dire vous avez une société haïtienne qui construit autour de une conception de la justice qui seulement là pour protéger les forts, qui seulement là pour protéger les puissants, pour seulement là pour protéger moun ki gen moyen, pour seulement là pour protéger une bourgeoisie, pour seulement là pour protéger l'élite social. Et ceci est tellement vrai, ou qu'a fait l'objet de ce qu'on appelle un vindicatif populaire, pour la simple bonne raison, du moment qu'on levait la voix pour dénoncer les mauvaises pratiques, pour remettre en question le système, ça, c'est pas bourgeoisie haïtienne, ni c'est pas l'élite arabe jeune qui prend la lapide, non. C'est le peuple haïtien qui pral monter sur les réseaux sociaux, qui pral lapido. C'est même moun qui nan crasse, c'est même moun qui nan mal propreté, c'est même moun ou pense qu'on pral défendre, c'est yo même qui prêt pour yo prendre roche là pour yo lapido. Ou connaît des moun qui pas vraiment saisi, surtout pour les chrétiens. Peut-être chrétiens ou pral comprendre ça m'pral dire là, parce que je m'adresse à ceux qui se réclament d'être chrétiens. Ou connaît pour qui raison? Yon une raison majeure n'a crucifié Jésus. Et yon nan, et même pour les non-chrétiens, ou connaît pour qui raison majeure que Socrate accepte boire cigure, boire poison, hein, au lieu que li aller contre la justice de son pays. Écoutez bien, t'aime dit non bagaille bien, parce que ou l'on peuple 80% peuple pas qu'on lit, pas qu'on écrit. Le niveau éducation peuple extrêmement bas, c'est peuple qui vient dangereux en pile, très très dangereux. Et c'est ça pour l'expliquer pour qui raison l'obliger à accepter d'être dans condition de malpropreté, dans condition de saleté, lui trouver normal que pas doit gagner l'école, lui trouver normal que le pas doit gagner manger, lui trouver normal que lui pas doit gagner l'hôpital. La raison pour laquelle lui sent-il bien, lui confortable dans ça, c'est parce que le pas veut sortir dans ténèbres là. L'un gros texte biblique qui dit la lumière, Jésus, la lumière vini dans le monde, mais le monde n'a pas accepté la lumière. Ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Il y a une grosse leçon qui cachait derrière ça. Malheur à celui, on dit malheur à celui qui a porté lumière pour juger peuple haïtien, parce que premier monde peuple haïtien pour le détruire, c'est vous-même. Et ceci m'a dit ça, c'est parce que peuple haïtien les conditionné, il a formaté l'esprit peuple haïtien pour le rester dans la crasse, pour le manger malpropreté, pour le vivre dans la saloperie, dans la saloperiture. C'est comme ça qu'il a conditionné. Le jour que vous levez, peuple haïtien, pour éduquer, pour montrer, peuple haïtien, noir sous blanc, condition la vivre, là, pas bon, vous êtes devenu son ennemi juré. C'est ennemi juré, peuple, là, vous venez tourner. Et ceci est tellement vrai
que comportement peuple là il allait dans le sens pour dilapider, pour craser, pour lapider le jeune homme qui a revendiqué pour bon l'hôpital, pour la reddition contre l'agent Petro-Caribia. Maintenant, pour quelle raison nous pensons, pour vous les chrétiens, qui avez de répéter Jésus, 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 comme la plupart d'entre vous, les premiers, oui, à dire crucifiez-le. Premier monde qui dit crucifiez Jésus de Nazareth. C'est même monde Jésus qu'on a fait miracle pour yo, même monde Jésus qu'on a bail 5 pains qui te fait qui te mettait au chita pour bail au pain à poisson. Même monde Jésus t'es qu'on guéri yo. Ils étaient les premiers à dire crucifier l'individu. Et le pire dans tout ça, c'est que Pilate, un bon stratège, pour prendre deux individus, les présenter par le peuple là, pour montrer que le pape, c'est l'élément dangereux. Les prend un nègre qui n'y ont passé, c'est un criminel qui a rentré la caillou, qui a couché petit yo, qui a fait cadet Jacques sur yo, qui a détruit yo, qui a éliminé yo, qui a détruit la vie yo. Et puis il prend Jésus qui a fait bien pour yo. Mes chers amis, je vous rassure, le peuple dit yo, bayo Barabbas, crucifiez Jésus. Maintenant, qu'est-ce que tu as pensé sur les réseaux sociaux? Yo t'a pral dit, de jeunes hommes, tant que Mathias, kap menon lutte, qu'est-ce que tu as spek? Ou pensez yo t'a pral dit, oui, c'est une bonne bataille, monsieur Apmené? Non! Vous aurez ces individus-là, qui sont prêts à monter sur le créneau, pour dénoncer, pour demander l'État haïtien pour crucifier Mathias. Parce que Mathias, tu n'es pas tête green. Mathias, tu vagabond. Mathias, tu n'es pas cité soleil. Mathias, qui vient montrer que vous pas de rete dans la condition ça a violé. Vagabond, ça pas de ouverge, il est supposé mourir. Il n'est pas venu, oui, Jean-Michel Bataille, il pas bon. Alors, où qu'on est, il faut jouer des excuses. Parce que pour nous supporter pour le confortable dans le comportement, parce que la demande est là, il faut jouer des excuses. Première excuse, je dis non, monsieur, Jean-Michel Bataille, il pas bon. On dit vraiment, Jean-Michel Bataille, il pas bon. Jean-Michel tellement Bataille, il pas bon, que je ne dis pas, je mets mandat d'elle, tellement Jean-Michel Bataille, il pas bon, que je mets mandat d'elle. Et il est tellement pas bon. Je dis moi-même, demandez monsieur, mais pour qui est Jean-Michel Bataille là-bas bon? Pour l'État haïtien qui met mandat d'elle ou bien pour le peuple haïtien? Que monsieur Bataille? Non! Mais monsieur, tellement je la bataille là-bas bon que l'État haïtien est obligé de mettre mandat d'elle. Et d'autre part, il y a un autre argument, on l'autre excuse pour dire non, monsieur Vini, l'écraser Fouléa, l'ICSI. Oh! On flait, monsieur Krasé. Écoutez bien. On flait, monsieur retiré. Je ne sais pas si niveau peuple haïtien dangereux. Monsieur Vini, il retire on flait. Comme un symbole, un acte de désobéissance civile, il retire on flait que le président de la République mettait, il mettait flait pâle. Un, il y a deux bagages pour apprendre qu'on est. Je dis ça pour tout le monde qui ne va pas comprendre. Il y a des gens qui disent, oui, monsieur, vin manquer des gars. Monsieur, non, moment, monsieur, pas supposé faire ça. Non, monsieur, pas ni trahi mémoire. Moun qui t'est mouru du 12 janvier. Au contraire, monsieur, retirez fleur. L'État mettait, parce que l'État a failli à sa responsabilité. Parce que l'État qui t'a gagné 4,6 milliards de dollars dans le même, juste aujourd'hui, Paris veut mettre bon l'hôpital, Paris veut mettre des conditions nécessaires pour le peuple à joindre. Monsieur trouvait que le bilan de l'État haïtien, par ce acte symbolique. Oh, mes chers amis. Ou jouez des individus qui disent que monsieur pas supposé voir fleur. Allez, mais la preuve en est, monsieur mettez fleur pâle. Si tel est le cas, si monsieur c'est ton problème direct, il te gagne, il pas venir avec fleur pâle. Au contraire, ce sont deux actions
qui revêt une importance tout à fait capitale, que ce soit dans la dimension symbolique que philosophique. Monsieur Vinil, il mettait fleur pâle, il retirait la fleur de la route, qui c'est la fleur de l'État ici, il mettait fleur pâle. Mais mes chers amis, ouais, je n'ai cap d'eau, non, monsieur va supposer faire ça, monsieur c'est fleur pâle. Ouais, il y a ces Haïtiens. Il y a ces Haïtiens qui sont tellement dangereux dans leur démarche que ils ont joué toute excuse possible. Toute excuse possible pour justifier l'injustifiable. Ils ont joué toute excuse possible pour supporter la corruption. Ils ont joué toute excuse possible pour supporter gros oiseaux. Mon cher Gomblan te dit, un ami, monsieur te dit, faites attention. Monsieur dit, faites attention avec l'haïtien. Il dit, tout autant pas craser haïtien. Tout autant pas craser mental haïtien. Haïtien va respecto. Il dit, du moment qu'on entre dans des marches pour valoriser haïtien, la mode ou. Du moment qu'on entre dans des marches pour montrer l'haïtien, hein, ça qui noble, ça qui bon, ça qui belle, la craser ou. Parce que en réalité, journée aujourd'hui, hein, tout le monde, c'est dictature, au besoin. Tenez bien, oui. Mon tel, haïtien tellement remé dictature. Haïtien tellement remé l'air crasé sol. Haïtien tellement remé l'air maltraité. Li prêt pour l'accepter une dictature en dedans pays d'Haïti. Sans que le pas lever le petit doigt. Alors vous voyez cette culture de la violence, cette culture de l'autoritarisme qui nous hérite depuis 200 ans en dedans pays d'Haïti. C'est-à-dire haïtien. Pour le sentir le monde pour l'exister, faut le genou l'autre haïtien pareil qui monte sous tête pour craser, pour détruire, pour kimbel, pour peser, pour soucer, pour anéantir, pour faire marcher tête à tête. C'est ça la culture de la zombification. C'est ça la violence de la zombification. Et c'est pas pour sans raison de notre culture du vaudou, nous gagner ça relève la zombification. Pour qui raison zombie en l'air au level, y est obligé faire marcher tête à tête. Parce que dans notre subconscient collectif, nous plus apprécier que moun traite nous en zombie que yo traite nous en moun. C'est ça des journées aujourd'hui. Dans le subconscient haïtien collectif haïtien, tout haïtien a crié pour yo dictature. Tout haïtien t'a aimé que Jovenel Moïse a crasé zo moun. Tout haïtien t'a aimé pour Jovenel Moïse a crasé brisé. Faites attention, il y a une grande différence entre le respect de l'autorité de l'État avec un mode ce qu'on appelle l'autoritarisme d'État. Il y a une grande différence. Parce que l'autoritarisme de l'État, c'est forme de dictature. Mais l'autorité de l'État, c'est le fait que l'État lui-même, lui fait, lui en mesure, lui a une certaine légitimité pour le faire respecter, appliquer la loi en dedans le pays. C'est la dictature de la loi. C'est ça, l'autorité de l'État. L'État, il a respecté l'autorité parce que cette autorité, il jouit de ce qu'on appelle une certaine légitimité populaire. Mais lorsque cette légitimité est contestée, dans une certaine mesure, eh bien, l'autorité, ça en soi, elle vient vider de substance. Elle vient perdre toute poids, elle vient perdre toute saleté représentée dans le symbolisme et l'imaginaire haïtien. Et toute action calée dans le sens de révolte ou bien de contestation de cette autorité, elle vient légitime. Mais journée aujourd'hui, c'est ce à quoi on est en train d'assister. C'est ça, malheureusement, à propos du temps de Obraldou. Haïtien va commencer à plaindre. Haïtien va le plaindre. Les jeunes commencent à étendre le pouvoir. Les jeunes commencent à mettre griffli de yo. Tu me dis un petit bagage. Haïtien va le relancer. Parce que moi, je dis un petit bagage bien. Je te dis aux amis, je pense que c'est Terence. Je dis, mais pour qui raison j'ai un problème avec les opposition? Parce que les opposition pas contre bataille. Les opposition connaît bien. Yo t'a pral rivé. Non côté que mandat ou t'a pral hypothéqué. Il savait pertinemment que yo t'a pral rivé là.
Yo connaît bien que gon 13 janvier qui t'arrivé. Et yo connaît dans calendrier ça. Si yo pas prend les mesures appropriées dans jeu en bataille pour yo renverser régime non. L'impossible possibilité pour une dictature instaurée dans le pays d'Haïti a été à 90%. Eh bien, voilà le résultat. Voilà le résultat. Maintenant, dictature, ça a commencé à manifester. Côté que l'instrumentalisation, bien entendu, de la justice, qui a commencé à faire. Côté que Jenga son pas qu'à revendiquer encore, Jenga son pas qu'à manifester, Jenga son pas qu'à faire valoir droit li encore, Jenga son pas qu'à dire que pas besoin modèle de comportement dictatorial, ça nous pas besoin régime, ça nous pas besoin pouvoir ça. Jounen jodi, hein, c'est pas seulement le président de la République, non, qui mettait pour une dictature ça en place. Mais nous gagnons une forme de populisme qui accompagne la dictature ça. Nous parlons de dictature, une sorte de publiciste. Côté que peuple haïtien est prêt pour l'accepter, dictature là. Cette nostalgie de la dictature, il est prêt pour l'accepter. Il est prêt pour l'État haïtien casser Zobundal. Il est prêt pour l'État haïtien péter Fierli. Il est prêt pour l'État haïtien craser Zol. Parce que c'est le conformisme social. C'est le comportement terre à terre et zombifié. C'est le comportement naturel de l'homme haïtien. L'homme haïtien a une mentalité esclave là toujours. Il n'est pas qu'à garder. Il est accepté. Pour seul nègre là, diriger en l'État pour craser Bundal. Pour le péter fierli, pour le réduire dans la liberté. C'est parce que je ne dis à nous pas valoriser la liberté. C'est parce que je ne dis à nous préférer la dictature. Et nous avons cette culture politique qui c'est dictature sous dictature. C'est à ça nous habituer. Et c'est un plus grand problème. Et c'est un plus grand problème. Aristide te fait. L'Aristide te vient avec question ni mouvement social là. C'est un plus gros temps nous te café pays d'Haïti. Les nous te vin instaurer en Haïti ça aurait les démocraties parce que le peuple haïtien c'est un peuple qui poko ou pas ka bay peuple haïtien démocratie sont pas éduqués d'abord pour le consacre démocratie parce que pas ka gon peuple qui gen 80% analphabète moun qui pas konn li là-dedans et puis pour le bal démocratie la prend démocratie al passer en bas pied la prend démocratie li détruire parce que les moun pas konn li ou pas konn écrit les moun analphabète. Yo pa konn li, pa konn écrit, il toujours besoin figure d'autorité qui pourra bal coup de bâton dans Bundal, qui pourra dire comment il doit marcher, comment il doit fonctionner. Et c'est la réalité de notre pays. Parce que la démocratie, li fait pour moun qui éduqué, qui konn li. La démocratie pas faite pour moun qui pa konn li. Parce que moun qui pa konn li, il pa ka comprendre essence démocratie. Li pa ka comprendre sens démocratie. Li pa ka comprendre valeur démocratie. Li pa ka comprendre portée sociale et économique yon régime démocratique. Li pa ka comprendre ni. Mais c'est ça qui fait que Aristide fait un gros tort au pays, parce que le peuple haïtien n'était pas encore prêt. Et c'est ça que je vous dis, un peuple a demandé dictature. Il a rejeté la démocratie, il a demandé dictature, il a demandé pour casser Zoyo, il a dit la nostalgie de la dictature. Parce qu'on n'a pas prendre un bagage aussi noble. Ou pas préparer le peuple, ou pas éduquer le peuple, ou pas at least lever niveau. Peuple en matière d'éducation et pour la gué yon trésor nan mais qui c'est démocratie ou la gué yo non bagay nan mais ou comme ça et pour dire yo OK allez al fait ça ou vle non ou la gué peuple dans l'anarchie parce que pour on peuple vraiment apprécier ça relé pour peuple comprendre la profondeur de la notion de la démocratie, il faut qu'on monte initier peuple là depuis le bon niveau d'éducation côté que peuple là t'es commencé initier bon minimum bon période de temps d'apprentissage élémentaire que peuple là t'es supposé passer là-dedans pour apprendre à apprécier les valeurs démocratiques. Par exemple, question droit moun, c'est qu'on y a nous commencé comprendre peuple là pour qu'on arrive en maturité pour comprendre ça veut dire droit moun. Parce qu'on est dans pays d'Haïti, moun pas de droit. Bon, pour parler de droit moun en Haïti, faut dire peuple là d'abord qui ça on mounier. Ou pas qu'à parler de droit moun pendant ce temps peuple là pour qu'on fasse différence en bête et moun.
de oh droit moun. Mais pour parler de droit moun, d'ailleurs, d'abord, au départ, faut peuple ta konnen ça moun vle di. Faut moun peuple a ta comprendre, c'est comprendre qui ça ça veut dire moun, qui différence qui gagne entre moun et bête. Faut peuple a ta commencer comprendre, ça veut dire léon moun a vivre tant que moun avec léon moun a vivre tant que bête. Faut ta commencer faire différence ça pour moun n'était qu'apprécier les valeurs de la démocratie. Mais si moun, si peuple haïtien li sorti en dedans dictature qui t'a traité le tankou bête tankou chien depuis le parler yo fusil depuis le parler yo craser mon dal, c'est comme ça que qu'on fonctionner et dans condition ça qu'on fonctionner et pour levon bon matin ou la guerre démocratie dans l'estomac qui sort et penser le pral faire avec démocratie a que le pas connaît ça veut dire li pas habitué avec ça penser le t'avoir faire avec ça penser le t'avoir faire avec la démocratie comme valeur ou vinn pote démocratie bali ça le connaît de démocratie a c'est dictature li connaît. C'est crasé zo, pété bundal, li konnen. C'est la raison pour laquelle c'est ça fait Léo Bo coup d'état 1991. Là après coup d'état, maintenant ils ont instauré un régime putschiste. L'armée crasé bundal peuple haïtien, li crasé bundal peuple haïtien te réjoui dans circonstance ça, ou pas les frappes t'a formé, en pile haïtien courir entrer dans frappe. En pile haïtien courir entrer parce que c'est cette culture dictatorial, c'est cette culture de l'autoritarisme, idole, bah ça tout nous idole pour nous, folie chef là, c'est lui que nous gagne la donne, parce que lui bon pour nous sortir nous chef, pour nous craser bunda frère nous, pour nous craser bunda sœur nous, parce que c'est dans ça ici en prend plaisir. Et ceci est tellement vrai mes chers amis, lui entraîne nos dimensions mais mystiques qui plus profondes oui, en dedans culture haïtienne non. Cette réalité, l'entrée, nous corrompons, même culture nous, nous corrompons là-dedans. Oui, imaginons que nous nous tuons, la lever zombie, et puis la raconter comment li bat mounan, li bat. C'est-à-dire que, ou nos sociétés, vous avez une culture, nous avons une culture, côté moun, pas considéré moun tant que moun. Nous pas un peuple à accepter. C'est une culture d'acceptation de la malpropreté. C'est la donne. Et l'État haïtien qui construit sous culture ça, lui profiter de situation ça pour instaurer autorité, pour craser bunda peuple là. Pour éliminer bunda peuple là. Pour fonder peuple là. Maintenant, lorsque l'État haïtien fait face avec des résistants, côté que des hommes éclairés qui ont niveau d'études, cal qui voyagent, qui comprennent, ça veut dire moun qui a fait différence entre moun avec bête. Lorsque on rencontre l'État haïtien rencontré avec des hommes ça au cap ballon résistance farouche, il y a deux choix. Ce soit derrière corrompt moun ça, il dit mon cher bien balou, moi son nèg qui intelligent. Moi son nèg à l'école, moi son nèg qui comprend game nan oui, mon cher mon job pour. Bagay wa parler de bagay démocratie, de bagay droit moun, de bagay peuple haïtien bullshit mon cher, pas nan kaka kou ça, ça est bullshit. Pa occupé de le bokye yo, il vini là il bon job baou et puis il fin bon job là ou même qui intellectuel, c'est ça expliquer corruption nan milieu intellectuel la gonde intellectuel qui corrompu comme ça qui vend conscience yo parce que l'état gon façon que récupérer nek sa yo li acheter nek sa yo l'acheter conscience nek sa yo l'état gon façon fermer bouche nek sa yo on dit nek sa yo mon cher mon son nek qui formé mon son nek qui éduqué mon son nek qui prend l'école au sérieux mon cher pas ka nan niveau ça ou pas qu'à un niveau peuple cité soleil ou pas qu'à un niveau peuple belé ou pas qu'à un niveau peuple et grand ravine ou pas qu'à un niveau peuple monde sale ça yo ou son nèg qui paraît semblant un monde qui propre au lieu coton lumière et puis il prend au lieu telle lumière là quand ça le fort puis bon petit job qu'on y vienne faire partie du système. Qu'on a vu tout nos éléments du système, capable de marcher contre frère là, capable de craser bunda frère là, capable de détruire frère là, capable d'éliminer frère là. Et c'est ça le degré de corruption. C'est cette philosophie de la corruption de notre société haïtienne, Johnny Jodian, qui a plongé la société haïtienne. Et ceci,
Même pour les chrétiens, ils arrivent loin. Nous avons les possessions de bagailles qui aussi. Nous avons les possessions de bagailles qui aussi simple. Les bon bagailles qui aussi simple. Ce sont bagailles qui sont extrêmement profondes. Et si on bagaille qui mande pour un pile moun, faites attention, oui, en Haïti. On bagaille qui mande long moun en Haïti, faut faire très 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 attention. C'est pour un bagaille meslié. Et, l'arrivé non point pour dénoncer, ou à faire une démarche de dénonciation de ces mauvaises pratiques, ou à évoquer mounité ou à faire moun comprendre que c'est mounouye, ou à faire l'État. Prend responsabilité pour faire comprendre que c'est mon ouvrier ouvrier vivre tant qu'au monde dans 21e siècle là. Je dois vous dire sincèrement, premier nèg qui monde qui pral camper pour yo dire crucifiez-le. C'est même haïtien ça yo a bataille pour défendre droit yo. Même haïtien ça yo a bataille pour défendre droit yo. Ou connait des haïtien journée yo dit trouver le normal pour Jovenel Moïse a dirigé par des créandi dans pays d'Haïti. Si je ne le dis pas dans ma parole, qui trouve le normal, oui. C'est pendant son anomalie démocratique. L'homme étudie, l'homme étudie, ça, les pensées, philosophie politique. Pour le président, il n'y a pas de parlement. La justice, pas indépendant. Pour la diriger un pays par décret. C'est une anomalie, oui, du régime. Son anomalie, oui, lié. C'est mon bagage qui est normal, non? C'est pas même mon bagage pour réjouir de lui, non? C'est mon bagage où tu as supposé à crier ou bien monter sur les créneaux pour dénoncer matin, midi, soir, oui? Parce que tu as dit que tu n'as pas de contre-pouvoir, non? Tu as expliqué que les gens qui ne comprennent pas logique, agencement, régime démocratique. Si on est qui dans une situation que tu n'as pas de contre-pouvoir en face, non? Les pas de contre-pouvoir en face, un président. De la République. Il y a plein pouvoir. C'est la démocratie pure et simple pour gagner. Maintenant, vous voyez des Haïtiens. Je ne sais pas si c'est par manque de culture ou politique. Haïtiens campés. Et puis, la réjouit, la frappé l'estomac du fait que le président de la République a tout pouvoir dans la main pour prendre les décisions. En dedans, un pays. Ou qui doit acculer le Parlement du Parlement. Pas de bien fonctionner. C'est normal. Ou qui doit dire ça que n'est pas de bien fonctionner? Ou qui doit dire faire bilan parlement n'est pas un bon résultat? Maintenant, ça c'est un autre problème. Mais pour y venir pour après jouir, pour frapper les sommets ou du fait que le président de la République, journée aujourd'hui, pour diriger un pays par décret, sans que journée aujourd'hui, pas de contre-pouvoir qui pour contre-carrel. Et puis nous trouvons la bague bravo pour lui sur toutes les réseaux sociaux. C'est une victoire. En dedans démocratie. Mais, c'est que si nous revenons dans la dimension, ça, mes chers amis, c'est son symptôme qui montre que nous sommes un peuple qui est extrêmement dangereux. Son peuple extrêmement dangereux. Ou quoi ça veut dire? Ça veut dire si on nègre levé un bon matin. Li vin la kayou, président by Lord. Li vin la kayou, yo arrête petit tout. Yo arrête madame ou andi dans la kayou. Sous l'ordre du président. Ou pa ka fon yon, non? Ou pa ka di yon mot, non? Pa kon sa? Ou pa ka fon yon, ou pa ka di yon mot? Ki sa pral fè? Ou pral la justice? Ou pral pote plainte? C'est-à-dire que nous rivons dans une situation, le fanatisme du peuple haïtien, li tellement rive non point. Qui est extrêmement exagéré, que nèg la, ti nèg noir tête grenan, préfère fermer les yeux sous condition existence li, au lieu que l'entraîne en démarche pour préserver les acquis démocratiques que le mouvement 1986 a accouché. C'est dans le niveau animalité ça. C'est-à-dire tout mouvement démocratique qui a accouché la constitution de 1987, tout bagage ça aussi en vain, yon fait oui. Les anils, tout le monde a mouru en vain. Les Gérard Pierre Charles a mouru en vain. Les Gérard Goug, moun sa ou mouru en vain. Moun sa ou fini en vain. Les Leslie Maniga, ce sont mémoires nèg sa ou fini en vain. Alors que vous avez cette nouvelle génération, pauvre en esprit, petit, hein, dans leur façon de penser. Conception tellement étroite.
Ils ont adopté une conception, une vision réactionnaire de l'État. Ils ont plutôt à le puiser dans le passé pour râler ça pas bon. Hein? Et puis pour venir banalique, pour venir venir dans le 21e siècle comme modèle de gouvernance, comme mode de gouvernance pour accepter lui comme vrai. Alors que c'est une anomalie politique, je ne veux dire, et que les médias en Haïti, ajouté avec la oui, la jeunesse haïtienne t'a supposé monter sur les créneaux pour contrecarrer le président de la République pour éviter des dérives dictatoriales en dedans société haïtienne. Non. Mais c'est un danger qui a plané sous société haïtienne. Non. Et puis, il y en a de ces fanatiques. De ces fanatiques, on téléphone, hein? Et pas même moun. Et pas même moun qui connaît, non? Ou pas même moun qui connaît, non? De ces fanatiques malheureux pauvres. De ces fanatiques malheureux pauvres du PHTK. Et puis après, il a frappé l'estomac comme si c'est une très bonne chose. Parce que nous avons cette culture de la bêtise, nous avons cette culture de la médiocrité, nous avons cette culture de la malpropreté. Qui fait que jour et jour, nous accepter toute bêtise comme normale, n'a normalisé les bêtises, les malpropriétés, la corruption, n'a normalisé ça qui pas normal. Où nous vivons tous nos sociétés, que société ça c'est pas côté pour moun qui qu'on va le tête yo, rete la donne. Moun qui qu'on va le tête yo, qui considère tête yo quand pour moun pas de rete nos sociétés comme ça. Parce que nous avons perdu le sens des valeurs, valeurs yo ap, morale et spirituelle, a effrité en dedans société ça. Parce que nous pas respecter rien, nous pas respecter moun, nous pas respecter la vie, nous pas respecter droit moun en dedans société ya. Nous préférer pour l'autre la ta chef. C'est la culture de la chefferie, c'est la culture de l'autoritarisme, c'est la culture de nèg kap krasezo. Krasezo, c'est la culture de sak mouri zafè ayo. C'est cette culture qui s'installe dans la société haïtienne, cap miner société haïtienne, culture dangereuse ça, cap détruit ça qui a de plus noble en dedans société haïtienne. C'est ça qui a détruit cette culture de la sauvagerie, cette culture de zombification, cette culture de la malpropreté. Côté que journée et jodien, malpropreté vient monter table et nous accepter comme vrai, nous accepter comme normal. Cette normalisation de cette culture en dedans société haïtienne, non, je ne vous dis pas de monde qui a levé le petit doigt pour dénoncer. Parce que si on prend le risque pour dénoncer les dérives dictatoriales du régime en place, normalement vous avez ces chenapans dans toutes les réseaux sociaux qui ont monté sur les créneaux pour commencer au taxe de X, taxe de Y, comme ils sont en train de faire actuellement là, pour jeunes garçons, ça, ce sont des individus dangereux, des mercenaires politiques, des hommes sans culture politique et juridique qui prêt pour monter sur les créneaux pour y acculer de tout nom, pour y avoir tout discours, toute bagaille qui t'a gagné, tout simplement parce qu'ils ne sont pas en mesure d'apprécier les valeurs nobles qui devraient être les fondations d'une société juste et équilibrée et équitable. Mais puisque, avec un taux d'analphabétisme de 4 qui avoisine les 80%, c'est normal aujourd'hui que nous avons ces individus, même dans les réseaux sociaux, qui sont prêts à vous acculer, qui sont prêts à vous traiter de tous les noms, juste par l'esprit de fanatique, et puis l'esprit, les pensées dans lui-même, que les grands, les pensées dans lui-même, que lui-même l'a exprimé quelque chose de noble, parce qu'il n'a pas même saisi le sens de l'histoire. Il n'a pas développé une certaine vision de l'histoire du pays. Il n'a pas lu une série de livres pour comprendre que la culture en dedans le pays d'Haïti qui favorisait l'émergence de ces individus que lui-même lié journée aujourd'hui. Eh bien, c'est tout l'enjeu que nous confrontons avec journée aujourd'hui. Maintenant, vous pouvez dire moi oui. Vous pouvez dire mon frère, oh oui. J'en ai parlé à la son comportement lavalas. So wap m'lavalas, qui problème ou gagne à ça? Bien que je ne suis pas lavalas. Mais maintenant, suppose qu'on a fait lavalas à tourner en maladie. Ou bien qu'on a fait un label pour un monde. Bon, moi-même, c'est avec plaisir pour m'apprécier
on moun qui dit avec la valasse. L'opposition moun ne va pas comprendre. Parce que moun n'a pas un niveau de formation qui permet de comprendre après appréhender ce qu'il a non. Maintenant, il pense qu'il a bon label, il a mettre une étiquette sur. Non, je m'en fous. Que je sois la valasse. Que je sois la valasse ou PHTK. Ça va m'empêcher de m'exprimer opinion. Parce que moi, j'ai une certaine maîtrise de ce qu'est la démocratie. Une compréhension de sa démocratie. Et me considérer tellement un droit en tant que monde. Parce que je me considérais tellement en tant que monde, je ne vais pas accepter un individu. Vin diriger, vin conduire dans la mauvaise direction, ni vin marcher sur moi, vin lapider. Et ceci est tellement vrai. Journée aujourd'hui, hein? C'est ça qui fait m'exprimer de façon telle pour me porter soutien moi. Ou en prendre en entier avec ces jeunes haïtiens qui estiment que journée aujourd'hui, il faut continuer à mener bataille là, il faut continuer à mobiliser, il faut continuer à faire résistance. Et m'a dit non ti bagay à tout jeune haïtien k'ap gade m jounen jodi an, jeune haïtien qui conséquent, jeune haïtien qui prêt pour bataille, jeune haïtien réalité pays yo. Le pa gen moment qui pi opportun jounen jodi a pour bataille qui moment actuel m'a parlé avola. Parce que nous sommes en train d'assister à l'instauration sûre et nette d'une dictature en Haïti. Faut faire très attention. Si gen un moment où nèg gars, un jeune gars t'a supposé bataille, c'est moment là pour bataille. Et ceci, faut utiliser tout moyen qui gagne. Faut faire désobéissance civile. Faut faire tout moyen qui utilise tout moyen nécessaire pour contrecarrer avec le régime dictatorial ça qu'a mettre en place là en dedans pays d'Haïti. Et bien mes chers amis, c'était veut pas pour nous aujourd'hui par rapport avec ce qui a sujet d'a traiter, hein, c'est la philosophie de la corruption. Je souhaite nous passer très bonne journée. Moi salue tous les amis nous encore pour tout le monde qui pas retrouvé en dedans ça. Bon, ça existe. On va parler pour tout le monde. Passez une très bonne journée, un très bon dimanche.